Aujourd'hui, la recette du gâteau coulant au chocolat sans beurre à la compote. Bonjour, je m'appelle Cyril Auclay-Prévost, bienvenue sur ma chaîne. C'est parti pour la recette. Je fais fondre du chocolat, je mélange de la farine de châtaigne avec de la levure, et dans un saladier, je verse la compote, j'ajoute 3 œufs, le sucre de canne, et je mélange le tout. Je verse le chocolat fondu dessus et je mélange à nouveau. Je rajoute ma farine avec la levure, je mélange. Et pour la gourmandise, je rajoute des pépites de chocolat et je termine en mélangeant. Je graisse des ramequins avec un petit peu d'huile. Je verse ma préparation dedans. Et je la réserve 10 minutes au congélateur, le temps de préchauffer le four. Après 10 minutes, je rajoute encore quelques pépites de chocolat pour la gourmandise et j'enfourne à 180 degrés pour 15 minutes. À la sortie du four, je saupoudre de sucre glace et voilà, de délicieux gâteaux coulants au chocolat sans beurre à la compote. Un vrai régal. Si cette recette te plaît, abonne-toi. Merci d'avoir regardé et à très vite.